Every night I'm going on the grid, texting back. I want you, hit you up. I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off. I came here way too strong. Cannot keep. You're kissing my neck and grabbing my leg, pushing me backwards into your bed. Baby, you are all I need, but I don't wanna dive too deep, too deep. I can feel the tension. Another bottle of this wine, I'll be up in your space. Love and affection, ain't got nothing on. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est samedi le 26 septembre et on est exactement à une semaine de mon concours. Donc samedi prochain, j'ai mon concours à Londres. Je croise les doigts pour que le concours ne soit toujours pas annulé, mais je pense que ça devrait le faire. Donc on part jeudi pour Londres. Aujourd'hui commence en fait ma peak week. Donc cette vidéo en fait va retracer vraiment ma peak week de A à Z. Je vais essayer de documenter un maximum, de vous donner un maximum d'infos. Donc je vais vous expliquer tout ça tout de suite, mais là je vais juste aller faire mon cardio avant. Je vais aller faire 30 minutes de cardio. J'ai mangé déjà 2 galettes de riz avec 2 œufs. Quand je reviens, je vais encore manger un petit truc. Et puis ensuite, je vous explique tout ça. Je vais aussi vous donner les résultats de ma sèche avec un physique update. Je vais vous donner plein de chiffres. Et puis cet après-midi, je vais préparer mes repas pour la semaine. Donc voilà, je vous montre ça après. Alors, j'ai terminé mon cardio, donc j'ai fait 30 minutes de Stairmaster, je suis rentrée, j'ai mangé un porridge, et puis là, donc, je vais vous expliquer tout par rapport à la peak week, par rapport à cette vidéo. Je vais aussi vous faire un bilan de ma sèche avec mes résultats, mes mensurations, mes calories, etc., etc. Alors, pour commencer, donc, comme je vous dis, aujourd'hui, c'est le premier jour de ma peak week. Pour ceux qui ne le savent pas, donc, une peak week, c'est donc la semaine qui précède un concours. Cette semaine-là est un petit peu spéciale parce qu'en fait on va suivre un protocole spécifique dans le but de, d'arriver au concours sous notre meilleur jour. En fait, le but d'une peak week, c'est vraiment d'avoir le meilleur physique possible. Vous savez, on a tous des jours où des fois on se trouve un peu moche, on a l'impression qu'on est un peu gros sans vraiment raison, et il y a d'autres jours où au contraire on se dit purée, aujourd'hui je suis lean, ah j'ai les muscles qui ressortent, on dirait que je suis très musclée. Et bien le but, c'est justement que le jour du concours on soit comme ça, on soit lean, on soit sec, on ait les muscles qui ressortent vraiment, et pas qu'on fasse de la rétention d'eau, qu'on ait l'air un petit peu un peu gras, qu'on ait les muscles plats. On veut vraiment l'inverse, on veut arriver le jour du concours avec notre meilleur physique. Cela dit, la peak week, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas sur cette dernière semaine qu'on va être prêt. Il faut vraiment être prêt avant. Là, moi, actuellement, honnêtement, je sens que je suis prête. Vraiment, mon physique, voilà, je vais pas progresser durant cette semaine-là. Le but de la peak week, ce n'est pas de progresser, c'est juste de faire en sorte qu'on puisse présenter notre physique sous notre meilleur jour, le jour du concours. Et le protocole est un petit peu spécial en général. Alors, chaque coach font des protocoles différents. Il y a plein de techniques différentes qui sont mises en place par les coachs. Il y en a des qui sont un peu plus old school que d'autres, j'ai envie de dire, et un peu plus has-been aussi, parce que c'est des pratiques qui ne se font plus forcément, notamment la manipulation du sel et de l'eau. Par exemple, les coachs qui font couper totalement l'eau pendant un ou deux jours, ou couper totalement le sel, ce sont des pratiques assez anciennes et qui souvent ne donnent pas un bon résultat, parce qu'au final les athlètes font de la rétention d'eau sur scène, ou alors ont les muscles totalement plats. Donc voilà, ce sont des anciennes pratiques. Moi, je vais vous expliquer ce que mon coach me donne, c'est aussi ce qu'on a fait durant mes concours de l'année passée. Donc comme je vous dis, ma peak week commence aujourd'hui, et puis on va commencer avec des macros un petit peu plus bas. En fait, on va diminuer les glucides aujourd'hui et demain. Demain ils augmentent déjà un tout petit peu, et ensuite au fil de la semaine, donc de lundi jusqu'à vendredi, chaque jour les glucides vont augmenter. Donc voici le protocole que mon coach m'a donné. Je vais pas tout vous montrer comme ça, mais je l'ai imprimé pour que ce soit plus simple pour moi. Donc comme je vous dis, aujourd'hui et demain on diminue un petit peu les glucides. Donc aujourd'hui je suis à 130 grammes de glucides, et demain je suis à 145 grammes de glucides, et ça c'est dans le but de faire un petit peu ce qu'on appelle une décharge, donc de vider mes muscles du glycogène qu'ils contiennent. Et puis ensuite, donc à partir de lundi, on va commencer la recharge. Donc chaque jour, comme je vous dis, on va augmenter les glucides. Donc lundi, je serai à 160 de glucides, mardi à 175, mercredi à 190, jeudi à 205 et vendredi à 220 de glucides. Donc vous voyez, aujourd'hui je suis à 130 et vendredi prochain je serai à 220 de glucides.
Les protéines ne changent pas, elles sont à 150 toute la semaine, sauf jeudi et vendredi où elles diminuent un tout petit peu, on va à 140 de protéines. Et les lipides restent à 60 toute la semaine, sauf vendredi où ils seront à 65, donc une augmentation de 5 grammes, ce qui n'est presque rien. Mais vous voyez, c'est vraiment les glucides qu'on manipule et qu'on augmente au fil de la semaine pour recharger les muscles justement. C'est ça qui va faire que mes muscles seront vraiment pleins et vont ressortir sur scène. Et c'est ça qui fait que j'aurai l'air musclé et que je n'aurai pas l'air plate. Et c'est aussi ce qui fait, en fait, quand les muscles sont pleins et ressortent, on a l'air non seulement plus musclé, mais on a l'air surtout plus lean, on a l'air plus sec. Après, il est possible qu'on augmente un petit peu plus les glucides que ça. En fait, à partir de lundi, je vais faire un check-in tous les jours avec Stephen. Donc tous les jours, à partir de lundi, je vais me peser, prendre mes photos, envoyer à Stephen, lui dire comment je me sens, lui dire comment était mon entraînement le jour d'avant, etc. Et en fonction, c'est possible qu'il me change encore les macros au fil de la semaine. Donc ça, je vous tiendrai au courant durant cette vidéo. Et sinon, en ce qui concerne le sel et l'eau, donc c'est ce que je vous disais avant, on ne manipule pas spécialement le sel et l'eau. La seule chose qui est très très importante, c'est qu'on ait une constance durant toute la semaine. Donc cette semaine, je vais compter mon sel, mais dans le but d'être sûr d'atteindre 4000 mg de sel par jour. On augmente légèrement le sel, mais c'est vraiment très léger. Jeudi et vendredi, on passe à 4200 mg. Donc c'est vraiment minime comme changement. C'est juste pour faire en sorte que justement j'ai les muscles qui soient pleins et que j'arrive plus facilement à avoir un pump. En ce qui concerne l'eau, c'est la même chose, ça reste constant vraiment toute la semaine. Donc en moyenne, je bois entre 5 et 6 litres d'eau. Donc toute cette semaine, je dois boire 5,75 litres. Sauf vendredi où on va un tout petit peu diminuer, on passe à 5,3 litres. Donc c'est juste 450 millilitres de moins. Donc voilà, on augmente le sel de 200 mg, on diminue l'eau de 450 millilitres, ce qui est vraiment des changements minimes. Mais ça va permettre justement de vraiment remplir mes muscles, de faire que j'ai un pump. Et ce qui change aussi durant la peak week, ce sont les entraînements et le cardio. Donc le cardio, en fait, au fil de la semaine, il va diminuer. Le but aussi d'une peak week, c'est de diminuer au maximum le stress qui est ressenti par le corps, parce que le stress, ça peut faire de la rétention d'eau, ça fait vraiment, ça donne pas un bon physique en gros. Donc le but, c'est vraiment de déstresser un maximum le corps. Ce week-end, comme on essaye de faire ce qu'on appelle une depletion, je ne m'entraîne pas du tout, je ne fais que du cardio. Donc ce matin j'avais 30 minutes, ce soir j'ai 30 minutes, demain la même chose, demain matin j'ai 20 minutes et 25 minutes le soir, ce qui est encore moins. Et ensuite toute la semaine le cardio diminue, lundi j'ai 40 minutes, mardi 35, mercredi 30, jeudi 25 et vendredi 20 minutes. Et comme je vous dis, donc je ne m'entraîne pas ce week-end. Et ensuite mes entraînements, ce sera lundi les jambes, mardi dos et biceps, mercredi épaules et triceps, jeudi ce sera un circuit full body de 40 minutes et vendredi ce sera fessiers et légèrement le haut du corps. Et puis ensuite, ben voilà, samedi, ce sera le concours. Donc là, forcément, je ne m'entraîne pas, je ne fais pas de cardio. Et puis, j'aurai des repas tous les 3 heures. Donc à partir du moment où je me réveille, je dois manger un repas. Et ensuite, je dois manger tous les 3 heures jusqu'à ce que je passe sur scène. Donc je vais préparer mes repas. Je vous montrerai ça quand je serai à Londres. Jeudi, je pense que jeudi, je vais préparer des repas. Parce qu'on sera dans un Airbnb. J'ai fait ça pour avoir une cuisine, pour pouvoir justement cuisiner. Maintenant, je vais aussi vous faire un petit bilan de ma sèche avec les résultats. Alors ce matin, j'ai filmé un physique update. Je vais vous mettre les clips. À gauche, ce sera le début de ma préparation, donc le 4 mai 2020. Et à droite, c'était donc ce matin, le 26 septembre 2020. Après, donc, 5 mois et demi de sèche. J'ai perdu 8 kilos durant cette sèche. Donc, j'avais commencé à 63,3 kg et ce matin je pesais 55,5. Hier j'ai atteint 55 kg qui est donc le poids le plus bas de toute ma préparation, mais hier soir j'ai mangé assez tard et j'ai mangé une salade, donc c'est possible que ce soit la raison pour laquelle mon poids était un peu plus lourd aujourd'hui, parce qu'une salade ça contient des fibres etc, et j'ai mangé tard comme je vous dis. Mais voilà, disons qu'actuellement je fais environ 55 kg. Ce matin j'ai aussi pris mes mensurations et je vais vous les donner. Donc ma taille fait 56,5 cm. J'ai perdu 10 cm de tour de taille durant cette sèche. Mon tour de hanche fait 86 cm. J'ai également perdu 10 cm de tour de hanche. Mes cuisses font 50 cm. J'ai perdu 6 cm de tour de cuisse. Ma poitrine fait 90 cm. J'ai perdu seulement 1 cm. Mais c'est pas très étonnant parce que j'ai des implants. Mon buste, donc c'est juste sous la poitrine, fait 71 cm. Et j'ai perdu 6 cm de tour de buste. Et mon biceps fait 28 cm. Donc j'ai perdu 3 cm de tour de biceps. Donc voilà pour les résultats. Honnêtement, c'est pas le plus important, les kilos, les centimètres, etc. Le plus important, c'est de quoi j'ai l'air.
lorsqu'on fait une préparation en bikini, honnêtement le poids on s'en fout, ce qui importe vraiment c'est notre physique, c'est notre présentation, mais je voulais quand même vous donner quelques chiffres. Pour donner un peu plus de chiffres encore, j'ai commencé ma préparation à 2100 calories et je la finis aujourd'hui à environ 1700 calories, mais bien sûr les calories comme vous l'avez vu durant ma préparation étaient assez variables. Au plus bas j'étais à 1500 calories pendant quelques semaines, 2-3 semaines je crois. Et le cardio, j'avais commencé mon cardio avec 1h30 de cardio par semaine, donc 3 fois 30 minutes. Et le plus de cardio que j'ai fait, c'était 3 fois par semaine 1h et 4 fois par semaine 1h30, ce qui était quand même très conséquent, mais voilà, c'est nécessaire pour atteindre des niveaux de masse grasse tels que j'ai actuellement. Cette année, je n'ai pas fait de DEXA scan pour voir mon taux de masse grasse, mais je pense que je suis environ comme l'année passée, vers les 10%, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour mes résultats que j'ai d'ailleurs noté dans mon petit cahier. Je vous l'avais déjà montré une fois, c'est un cahier que je tiens depuis que j'ai commencé la musculation en 2015. Et c'est drôle parce que quand j'ai commencé la musculation en 2015, je faisais exactement le même poids que je pèse maintenant lors de mes concours. Donc j'étais à 55 kg. Je vais vous mettre une photo sur l'écran parce que le look était totalement différent. Mais voilà, c'est un journal que je tiens, bah, comme je vous dis, depuis 2015 pour noter vraiment tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait en fait dans mon parcours fitness, muscu, nutrition, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses. Et puis là, en fait, ce que je regardais aussi avant, c'est aussi mon fichier de suivi. C'est le fichier que j'ai tenu durant toute ma préparation, que je remplis vraiment chaque soir avec mes macros, mon cardio, mes entraînements, mon sommeil, ma digestion, mon cycle menstruel, des notes, mon humeur, comment je me sens, etc., etc. Si jamais mon fichier de suivi, vous pouvez vous le procurer sur mon site internet, en fait, feedbykloé.com. C'est vraiment super, super, super utile pour traquer vos progrès, pour savoir aussi comment votre corps réagit, pour avoir une trace de tout ce que vous avez fait, voire, enfin voilà, c'est hyper utile, donc si jamais il est sur mon site. Pour terminer, je voulais encore vous dire un petit peu comment je me suis sentie durant cette préparation. Bon, je vous en ai déjà parlé quelques fois, mais vous savez que cette préparation n'a pas été des plus simples pour moi, surtout en termes d'énergie. J'ai eu quelques semaines qui n'étaient vraiment pas faciles. Depuis qu'on a augmenté les calories, ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que cette préparation était assez compliqué pour moi, donc je suis vraiment contente d'arriver au bout honnêtement, mais ça me prouve encore une fois moi-même que je suis capable de bien plus que ce que je pourrais penser. Et puis voilà, on verra ce que ça donne le week-end prochain. En attendant, je me réjouis de voir aussi mon corps, comment il évolue durant cette semaine. Vous verrez ça durant cette vidéo. Alors je vais m'attaquer à la préparation de mes repas pour la semaine et je vais un petit peu vous expliquer comment je le fais et pourquoi, et surtout pourquoi je vais manger la même chose pendant une semaine entière. Alors en fait, je vous explique. Donc, j'ai, comme je vous ai dit, le protocole de mon coach. Et durant une peak week, c'est très important de manger des aliments qu'on sait qu'on digère très bien pour éviter d'avoir des problèmes de digestion justement et de se retrouver ballonné le jour du concours. Donc en fait, j'ai décidé de manger la même chose toute la semaine et de manger uniquement des aliments que je sais que je digère vraiment bien pour éviter d'avoir des ballonnements ou des problèmes de digestion, parce que vous savez que bah, c'est mon cas en fait. Alors ce que j'ai fait dès que j'ai reçu le protocole de mon coach, c'est que je me suis demandé, ok, quels aliments je digère bien et qu'est-ce que j'ai envie de manger durant une semaine. Et j'ai écrit en fait sur le papier un exemple de meal plan d'une journée en fait, donc avec un petit déj, deux repas et un snack, en choisissant vraiment des aliments bah, faciles à digérer justement, et seulement un certain nombre d'aliments, pas avoir une trop grosse variété non plus, et puis bah, pour pouvoir m'y tenir en fait durant une semaine. Donc j'ai préparé, bah, comme je vous dis, cette journée là je me suis dit, ok, pour le petit déjeuner je sais que je digère bien les skyrs avec le muesli coco, il me faut un peu plus de protéines, donc j'ai rajouté des œufs. Pour mes repas, je me suis dit, bah, ce que je digère facilement c'est du riz, des patates douces. Pour les légumes, j'évite tout ce qui est choux, chou-fleur, poivrons, les choses comme ça, donc je m'en tiens aux courgettes et aux haricots verts parce que je sais que c'est des légumes que je digère facilement. Pour les protéines, j'ai choisi bah, du poulet parce que j'en mange beaucoup et puis mon corps a l'habitude du poulet, et puis des crevettes parce que les crevettes c'est aussi facile à digérer. Pour les lipides, l'huile d'olive parce que bah, voilà, des noix, des amandes, des noix de cajou, des choses comme ça, on peut avoir un peu de la peine à digérer, donc l'huile d'olive bah, c'est forcément tout le monde digère bien l'huile d'olive. Et puis j'ai aussi pour le snack donc un porridge parce que je sais que les porridge je les digère bien aussi. Porridge flocon d'avoine sans gluten avec des protéines, de la banane et du beurre de cacahuète, tout simplement. Donc voilà les seuls aliments que je vais manger durant une semaine. Et en fait, donc j'ai entré ces
4 pas dans mon application, j'ai regardé les macros, j'ai un petit peu ajusté les quantités pour correspondre aux macros du premier jour. Et ensuite, chaque jour, j'ai regardé comment ajuster les quantités pour correspondre aux macros. Bah, comme je vous ai expliqué, les glucides augmentent au fil de la semaine. Donc j'ai écrit sur un papier en fait les quantités pour chaque jour, pour savoir exactement, pour pouvoir en fait atteindre exactement mes macros chaque jour au fil de la semaine, au fil des jours où les glucides augmentent. Donc puisque c'est les glucides qui augmentent, bah, c'est principalement la quantité de riz, la quantité de patates douces et la quantité de flocons d'avoine ou de bananes qui augmentent au fil de la semaine. Mais comme ça, bah, je prépare tous mes repas pour la semaine aujourd'hui. Là, j'ai préparé tous les tops. Donc là, je vais préparer vraiment tous les repas pour la semaine. Enfin, disons tous les repas pour... aujourd'hui, demain, parce que demain je suis sur la route parce que Luca a sa compétition de powerlifting, j'en parle après, mais je prépare directement pour aujourd'hui, pour demain et jusqu'à lundi, mardi, mercredi où on est encore en Suisse, et aussi tous mes repas pour jeudi parce que jeudi ben, on est en voyage et on va arriver à Londres. Ben, comme ça je prends des repas avec pour toute la journée jeudi, comme ça je sais que jeudi j'atteins parfaitement mes macros, et jeudi ben, j'achèterai là-bas et je préparerai encore pour vendredi, samedi et dimanche, et je prépare encore aujourd'hui 2 tops pour lundi quand on rentre, comme ça quand on rentre je sais que j'ai les repas qui sont prêts, je dois pas trop me stresser par rapport à ça et je vais juste les garder au congélateur, comme ça je sais que j'aurai 2 repas pour lundi quand on rentre au congélateur déjà prêt. Donc ça me fait 14 repas à préparer, mais voilà c'est tous les mêmes hein, donc 7 pour midi et 7 pour le soir. Le petit déjeuner, bah, j'ai acheté mes skyrs justement, donc j'ai le stock de skyrs coco. Donc précisément ce que je vais manger cette semaine, ce sera chaque matin un skyr coco avec 25 g de muesli coco de chez Nutri avec 2 galettes de riz et 2 œufs. Ensuite, mes repas de midi, ce sera du riz avec des crevettes, des haricots et de l'huile d'olive. Mon snack de l'après-midi, ce sera donc un porridge protéiné avec de la banane et du beurre de cacahuète. Et mon repas du soir, ce sera donc des patates douces avec des courgettes, du poulet, de l'huile et puis des carottes. Des carottes crues, ça c'est juste parce que j'adore ça et puis je sens que j'aurais envie de... Bah, j'adore les légumes crus en fait, donc je me suis aussi mis des carottes, j'avais oublié, voilà. Donc je vais préparer tout ça maintenant, donc là j'ai déjà préparé les aliments. Les œufs, je les ai déjà cuits en fait, c'est des œufs durs maintenant, donc comme ça c'est plus simple pour moi le matin. J'ai 2 œufs pour chaque matin. Et sinon ici, donc j'ai préparé tout ce que je dois cuire maintenant. Donc là j'ai 1 kg 220 de poulet. J'ai 1 kg 260 de haricots, j'ai 1 kg 260 de crevettes, j'ai 1 kg 400 de courgettes, 1 kg 310 de patates douces et 300 g de riz. Donc je vais cuire tout ça. Et puis ensuite je vais remplir chaque top donc en fonction de ce que j'avais planifié, et je vais mettre un post-it sur chaque top pour savoir à quel jour en fait correspond quel top. Voilà, en gros. Ah, et encore une précision, je cuisine sans sel et je rajouterai le sel au fur et à mesure, quand je mangerai mes repas en fait, pour pouvoir peser le sel et savoir exactement combien de sodium je mange. J'ai regardé aussi pour atteindre les 4000 mg justement. I'd encourage you to make me stay, but baby I'm just trying to numb my brain and wrap my head around this whole thing. When you're kissing my neck and grabbing my leg, pushing me backwards into your bed. Alors je viens de terminer, il y a tout qui est prêt. Donc ici j'ai le poulet, j'ai juste assaisonné avec du curry, du cumin, de l'ail je crois, enfin voilà. Les crevettes, les haricots, les courgettes, le riz et ici les patates douces. Les patates douces, vous avez vu, je les ai cuites au micro-ondes. Je sais pas si vous connaissiez cette tactique, mais en fait les patates douces vous pouvez les cuire au micro-ondes en 5 minutes. Enfin là il y en avait beaucoup, donc là j'ai dû mettre 15 ou 20 minutes je crois. Mais en fait il suffit de laver la patate douce, de faire quelques incisions dedans juste pour éviter qu'elle explose, la mettre entière au micro-ondes, juste 5 minutes chaleur maximale et elle est prête. Donc si vous faites des grosses quantités comme ça, faut juste mettre un peu plus longtemps. Mais moi je trouve que c'est la tactique la plus facile pour cuire une patate douce, bref. Et puis en fait pour faire mes tops maintenant, je vais utiliser la tactique de la règle de 3. C'est-à-dire que vous savez que le poids en fait des aliments change à la cuisson. Et pour savoir combien mettre de chaque aliment
aliments dans chaque tub en fonction des quantités qu'il me faut, je fais simplement une règle de 3. Donc en fait, j'ai cuit le total de l'aliment cru. Donc par exemple, les crevettes, j'ai cuit 1,260 kg. Il y avait 1,260 kg cru. Et une fois les crevettes cuites, je les ai pesées et le total me fait 945 grammes. Donc comme ça, je fais une règle 3. Si dans mon tub, je dois mettre 180 grammes de crevettes, je fais une règle 3. Donc 180 fois 945 divisé par 1260 grammes, je sais que je dois mettre 135 grammes de crevettes cuites dans mon tub pour avoir 180 grammes crus. En fonction des macros. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais c'est comme ça que je vais faire. Après, chaque tub va contenir 180 g de crevettes crues, donc 135 g de crevettes cuites. Mais par exemple, les patates douces et le riz, je dois changer les quantités dans les tubs. Donc il y a des tubs qui auront par exemple 30 g de riz cru, ce qui donne 80 g de riz cuit. Et des tubs qui auront 55 g de riz cru, ce qui donne 145 g de riz cuit. Donc c'est comme ça que je fais. En fait, je fais simplement une règle de 3. C'est assez simple. Hein. I'd encourage you to make me stay, but baby, I'm just trying to numb my brain and wrap my head around this whole thing. When you're kissing my neck and grabbing my leg, pushing me backwards into your bed. Alors, je viens de terminer mes repas. Il y en a beaucoup. J'ai aussi préparé les deux pour aujourd'hui. D'ailleurs, je vais en manger un maintenant parce que j'ai faim avant d'aller faire mon cardio. Donc là, il y en a 4, je pense, que je vais mettre au congélateur. Donc ceux que je prends avec moi jeudi et ceux pour le lundi d'après. Sinon, le reste, je vais garder au frigo. Alors, on peut garder ça 3-4 jours au frigo sans souci. Et je suis encore en train de me préparer un porridge pour demain parce que demain, je serai dehors toute la journée. Enfin, je pourrais prendre mon petit déjeuner ici, mais ensuite, on va partir à Lucerne parce que demain, Lucas a sa compétition de powerlifting. Il fait les championnats suisses. Donc voilà, je serai à Lucerne toute la journée. Je vais juste faire mon cardio ici le matin. Donc je vais prendre un tub avec moi, je vais prendre mon porridge avec moi pour l'après-midi ou bien là, sur le retour, je sais pas. Et puis j'aurai un tub qui sera prêt pour demain soir directement. Donc ça m'a pris, je pense au total, ça m'a pris 1h30. Ouais, au total environ 1h30 avec le remplissage des tubs. Ça prend un peu plus de temps parce que je devais peser chaque truc pour être sûre d'avoir chaque jour la bonne quantité. Mais voilà, mais en 2h c'est fait. Et j'ai mes repas pour toute la semaine. Donc je vais manger les patates douces avec le poulet et les courgettes. Je vais digérer un petit coup et je vais aller à la salle terminer encore mes 30 minutes de cardio. Lately I've been feeling like somebody else. Heard you moving on with someone new. My friends keep telling me that it was for the best, but I don't know if I will make it through. Cause every morning. Alors aujourd'hui on est dimanche, je vais tourner la caméra. Alors on est dimanche, il est 11h30 et là on va partir pour Lucerne. Ce matin je suis allée faire mon cardio, j'avais que 20 minutes ce matin, ensuite j'ai déjeuné et ce soir j'aurai encore 25 minutes de cardio à faire. Mais là, ben, comme je vous dis, on va partir pour Lucerne, Lucas a sa compétition de powerlifting. Mais on va aller lui parler en fait, il m'attend dans la voiture. D'accord. Alors on est en route donc pour Lucerne, comme je vous dis, pour les championnats suisses de powerlifting. Comment t'es sentie? Mais bien, bien, bien. Si, si. J'ai hâte d'y être. T'as hâte d'y être? Ouais, ouais. Étonnamment, étonnamment. Ouais. D'habitude, je suis quand même quelqu'un qui stresse assez vite. Mais là, non, j'ai hâte d'y être, de faire. On s'est entraîné pour, je suis prêt, donc maintenant il n'y a plus qu'à y aller quoi. Ça fait combien de temps donc que tu t'entraînes pour cette compétition? La préparation pour ce concours, ça fait une bonne année que je fais que ça. T'espères atteindre combien à tes lifts? Alors pour les squats, c'est prévu 240 kg.
le développé couché 180 et le soulevé de terre 300 kg, qui fait un total de 720, je crois. 720. Ouais. Voilà. Au mieux. Voilà. Ok, on verra ça. Alors, il est 1h30, Luca est à la pesée. Là, je bossais un petit coup dans la voiture, mais j'ai plus de batterie sur mon ordi, donc je peux plus y travailler. Du coup, je vais manger quelque chose maintenant, en fait, un top. Donc, le riz, crevettes, haricots, dessus, il y a du ketchup. Et puis, ensuite, il va aller s'échauffer et la compétition commence vers 15h. Donc là, j'ai un peu d'attente, je vais attendre une heure, je pense. Ouais, une heure, ensuite, j'irai dans la salle pour le regarder s'échauffer et puis ensuite, ça va commencer. Alors il y a Luca qui est en train de s'échauffer, donc là il est à 190 kg. Ça va? Je suis pas beaucoup de posant, mais ça va. Alors, il vient de finir les squats. Hello. Qu'est-ce que t'as dit? Alors, il vient de finir les squats. Ça fait combien? 235 kilos, record personnel. Donc, la classe, quoi. Maintenant, c'est le bench. Donc là, il s'échauffe pour le bench. Yep. Alors Luca vient de finir le bench, donc il a passé 170, il a fait un fail à la dernière attempt à 180, mais voilà, il a fait un PR de 170 quand même, donc c'est cool. Là je suis de retour dans la voiture pour manger mon porridge parce que j'ai trop faim, il est bientôt 18h je crois. Ça prend du temps quand même ces compétitions de powerlifting. Voilà, donc là j'ai mon porridge avec des framboises, du beurre de cacahuète. Je vais manger ça et ensuite il y a encore le deadlift. Je sais que ça a pas l'air très bon, mais c'est trop bon. Putain. Ça fait quoi, 700 quand même? Dritte Platz, Luca Girone, mit 700. Première compète, podium. Troisième. Alors il est 21h, on vient juste de rentrer. Ça a duré un peu plus long parce que Luca a dû faire les tests de doping. Sans grand étonnement. Et donc il a fini donc 3ème. T'as fini 3ème. Donc ouais. Première compétition et il fait un podium.
Et puis, donc tu as fait un total de 700. 700, oui. Les squats ? Les squats, j'ai fait 235, donc c'est aussi un record personnel, j'ai jamais fait 235 kilos. Le développé couché, j'ai fait 170, c'est aussi un record pour une compétition pour moi. Où je suis plus content, c'est les deadlifts, les soulevés de terre, où j'ai fait 295 kilos. Donc 700 total. 700 total. Bravo ! Merci. Et puis, rien à foutre. Quoi, rien à foutre, puis tu te casses. Ouais. Et puis moi, je dois faire encore du cardio. Donc la salle a fermé à 8h, donc je vais aller faire sur mon tapis dans la chambre. Je n'ai absolument aucune envie de faire du cardio maintenant, mais bon, voilà. Alors je viens de finir mon cardio et je vais aller me doucher. Enfin, on s'en fout, mais je vais vous dire un truc par rapport à ça. C'est que je vais me faire un gommage pour préparer ma peau pour le tan. En fait, ça fait déjà 2-3 semaines que je me fais des gommages une à deux fois par semaine. Et là, bah, durant la peak week, je m'en fais un peu plus souvent. Donc je m'en fais un ce soir, donc là on est dimanche. Je vais en faire un mardi et je vais en faire jeudi, le jour avant la première couche de tan. Et en fait, je voulais vous montrer, donc j'utilise le Get Buffed de Protan. C'est exprès pour préparer la peau pour le tan justement. Et je l'applique en fait avec un gant comme ça. C'est un gant exfoliant justement. Si jamais j'ai commandé les deux sur Compaq, donc je vous mets le lien dans la barre de description si ça vous intéresse, si vous en avez besoin. Mais ce gant il est vraiment trop bien. En plus, en fait, on peut faire le dos avec. Donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais faire un gommage et puis je voulais juste vous montrer en fait ce que j'utilisais pour le gommage. Donc là, je vais me doucher et ensuite je vais manger. Enfin. Alors aujourd'hui on est lundi matin, donc à partir d'aujourd'hui commencent les check-in via WhatsApp avec Stéphane, les check-in journaliers. Et là j'ai un rendez-vous, mais il faudra attendre la prochaine vidéo pour voir à quel rendez-vous je me rends et pour voir la fin de ma peak week, parce que hier j'ai terminé d'éditer cette vidéo et je vois qu'elle est déjà très longue, donc j'ai décidé de couper ma peak week en deux. Donc ça c'est la première partie et puis la deuxième partie viendra plus tard, donc ce sera la fin des préparatifs avant de partir à Londres et puis les deux derniers jours avant le concours à Londres directement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.